Perhaps more than any decade before it, the 1960s saw an explosion of radical new ideas. Well, of course, everybody regards the 60s as a sort of, you know, golden age. In Britain, it began with a sort of euphoria of futurism. We were having, you know, motorways. I mean, motorways were going to enable rapid contact of, you know, citizens from, you know, from one city to the next. And it was all very, you know, it was all very good, very agreeable. It seemed like a real dream. Ce qui a réellement changé et influencé le style et le design dans les années 60 en termes de mouvement, c'est déjà l'explosion de ce qu'on va appeler la culture jeune. C'est-à-dire qu'on va avoir les adolescents issus de ce qu'on appelle le baby boom. Ils vont avoir une nouvelle façon de vivre, de nouvelles mentalités qui s'opposent à la mentalité de leurs parents. Et désormais, on a une société dans laquelle le style et le design est dicté par les jeunes eux-mêmes. Donc ça va se traduire en termes de style par déjà le symbole de ça dans la mode féminine, ça va être la mini-jupe. La mini-jupe, elle symbolise à la fois la jeunesse, elle symbolise la liberté et elle symbolise aussi une rébellion par rapport aux parents. C'est-à-dire que pour les parents, c'est trop sexy. We all know about the pop revolution, you know, the 60s, you know, the fashion and the music. But for me, I think there's something even more interesting going on. There was a design revolution. Well, you know, the stuff which had hitherto been rare, expensive, privileged, suddenly became, to a much greater degree, you know, popularly available. You know, one obvious example of that is when Habitat opened in 1964. It's the exact equivalent. I mean, that's 1 year after the Beatles' first LP. Habitat starts selling the sort of modern furniture which hitherto only existed in, you know, glossy architecture magazines, which you found in expensive apartments in New York or Helsinki, and suddenly it's available in, you know, in Tottenham Court Road and Manchester. Dans la mode, ce sera André Courrèges, ce sera Pierre Cardin, ce sera Paco Rabanne. Ce sont ces gens qui utilisent des nouveaux matériaux plastiques, voire même des matériaux solides comme Paco Rabanne, du métal, du plexiglas. En parallèle, les designers de meubles vont aussi utiliser ces nouveaux matériaux. I mean, in Denmark, Werner Panton started using brightly colored plastics. In France, Olivier Mourgue was designing using foam and plastic for the first time to make astonishing chairs in the mid-60s. In fact, Olivier Mourgue's chairs, you know, were so radical that Stanley Kubrick used them for 2001, A Space Odyssey. They seemed like projections into the future. There are countless examples of important design, you know, coming from the period. I mean, we all know how revolutionary the iPod has been in the past, you know, 10, 15 years. But the iPod was preceded in the late 1960s by Ettore Sottsass's Valentine typewriter for Olivetti. I mean, it was bright red, it was plastic, it was portable, it was a typewriter, as the designer himself said, a typewriter you could take to the disco. And it was the way of deconstructing the idea of work. What turned out to be a decade of design revolution had also begun with big changes for Renault. The 1962 R8 showcasing the company's new approach to body shape and detailing. La Renault 8, elle fait clairement partie de la stratégie de Pierre Dreyfus de réactualisation, de rénovation de la gamme Renault. C'est un véhicule charnière puisqu'elle a encore un moteur à l'arrière, une technique relativement traditionnelle chez Renault depuis l'après-guerre. Et en même temps, elle s'inscrit dans ce renouvellement avec des lignes très modernes, très tendues. Ces trois cubes vont être reliés par des lignes extrêmement tendues et avec certaines innovations stylistiques, comme par exemple ce capot avant, qui est incurvé pour permettre d'avoir une meilleure visibilité de la route. Philippe Charbonneau, qui a en fait redessiné et refait la voiture en 3 semaines, c'est une voiture qui a été designée, dessinée en très très peu de temps. Et donc ça, c'est assez rare dans l'histoire d'une voiture. The Renault R8 is truly one of my favorite cars of all time. There's something quite extraordinarily, uncompromisingly French about it. I mean, we talk about the box for the luggage, a box for the engine, the box for the passengers. Philippe Charbonneau delivered 3 boxes in absolutely, totally uncompromising Frenchness. It is literally 3 boxes, relieved though here and there by a wonderful little sort of very French sort of Art Deco flourish.
Ce qui est très drôle, c'est que c'est une voiture qui n'avait pas été conçue pour être sportive. Or, aujourd'hui, c'est la R8 Gordini qui reste dans l'esprit des gens, la voiture bleue avec des bandes blanches. Et puis, bien sûr, il va faire une carrière commerciale très importante et avoir des dérivés sportifs comme la R8 Gordini qui vont aussi contribuer au succès de cette voiture et au fait qu'on va s'habituer assez vite à ces formes, ces carrés qui peuvent choquer au début. Et finalement, on va en voir partout dans les rues.